Ce matin, dans le froid, 300 salariés de Simpa, une filiale d'Airbus, ont manifesté du siège social d'Airbus à Blagnac à l'entrée d'Airbus Opération à Saint-Martin-du-Touche. Leur maison mère souhaite vendre la société. Deux repreneurs de sociétés de services en informatique, l'Indien Infosys et le Français Soprasteria, sont sur les rangs et inquiètent ces manifestants. C'est des entreprises avec des conditions sociales moins favorables en général, voire beaucoup moins favorables. Il y a aussi les risques sur l'emploi. Typiquement, on a des activités pour la défense, des activités un peu stratégiques, que ce soit pour Airbus, Astrium, etc. Et c'est peu crédible que, par exemple, une société indienne puisse conserver ce genre de contrat. Hein. De toute façon, la DGA ne le permettrait pas. Aujourd'hui, seul 8% du chiffre d'affaires de Simpa est réalisé hors Airbus, avec des sociétés comme Total ou Continental. Les syndicats restent perplexes quant à une poursuite d'activités conséquentes avec Airbus. Airbus nous garantit que demain, rien ne va changer. Nous dit, vous aurez des opportunités de vous développer si vous êtes racheté, justement, que aujourd'hui vous ne pouvez pas avoir parce que Airbus vous freine. Ce qui, pour moi, est un non-sens. Ça affiche surtout une volonté, effectivement, de se séparer de Simpa et éventuellement de déguiser un potentiel plan social. La direction a indiqué aux salariés qu'elle ferait son choix dans 15 jours. Les manifestants présents aujourd'hui estiment que Simpa doit rester dans le groupe, notamment pour aider Airbus Safran Launchers au développement d'Ariane 6.